Thank you.
A, ja, okej. Dawaj, dawaj, dawaj. Ciebie pochodzisz teraz. Le Grand Classique de Montréal que je dirige fête cette année ses 30 ans et pour marquer l'occasion, nous avons décidé de faire une tournée internationale, une première tournée internationale. Et pour ce faire, nous avons choisi de venir en Russie, une grande découverte pour tous ceux qui font partie de la tournée d'une part, pour moi-même également, c'est ma première fois en Russie, et pour également faire connaître et partager une œuvre que nous aimons particulièrement et que nous avons créée à Montréal au mois de juin dernier, à la Maison symphonique de Montréal, soit le Requiem d'Osip Kozlovsky, écrite pour les funérailles du roi de Pologne Stanislas Poniatowski en 1798. Nous avons commencé par visiter et par habiter à Saint-Pétersbourg. Nous avons donné deux concerts, un dans le cadre d'une messe à l'église catholique où justement les funérailles de Poniatowski ont eu lieu, et également dans le cadre du festival de chant choral de Saint-Pétersbourg, où nous avons marqué un grand succès avec le répertoire a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement, que nous avons chanté devant un public acquis et extrêmement généreux dans ses applaudissements. Nous avons ensuite, par la suite, nous sommes rendus à Pskov, où là nous avons répété et travaillé avec l'orchestre, avec la philharmonie de Pskov, pour présenter ce Requiem de Kozlovsky avec des choristes et bien sûr les musiciens de l'orchestre là-bas, et les cinq solistes qui étaient venus chanter cette œuvre avec nous à Montréal au mois de juin dernier, qui nous ont retrouvés à Pskov. Bien sûr, à Saint-Pétersbourg et à Pskov, nous avons visité les endroits merveilleux. Évidemment, l'Ermitage, Tsarskoye Selo, Peterhof, du côté de Saint-Pétersbourg, les forteresses et les monastères qui entourent la ville de Pskov. Et aujourd'hui, je viens de terminer de diriger un concert, le seul concert que nous donnons à Moscou, dans cette église Pierre et Paul, ou Saint-Pierre peut-être, à Moscou, avec le Requiem de Kozlovsky. Nous restons 4 jours à Moscou pour visiter la ville, découvrir ses splendeurs, et nous partons par la suite à Yaroslav, qui est sur la ceinture, la corne d'or autour de Moscou, ville très riche en histoire, où je vais aller travailler de nouveau avec l'orchestre de Yaroslav et pour présenter cette fois non seulement le Requiem de Kozlovsky, mais aussi les 3 chants populaires de Rachmaninov. Donc, nous nous déplaçons du Canada pour venir chanter et présenter de la musique russe en Russie. Je trouve ça absolument fantastique. Merci de nous accueillir aussi bien. Et nous terminons par un concert à Pereslav, où là, nous allons de nouveau chanter notre répertoire a cappella avant de retourner au Canada, à Montréal en particulier, et peut-être revenir un jour, et puis on vous attend, vous, à Montréal. Merci de votre accueil.